Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jolin. Jeudi, c'est mercredi. C'est 24 novembre 2021. C'est un honneur et un plaisir parce que j'ai une chance pour moi incapable avec vous. On veut dire merci à toutes amies, à toutes fanatiques, toute famille, quel que soit à côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter que nous puissions passer une très bonne journée ensemble. Il y a une liste qui a circulé qui t'a fait comprendre que le Premier ministre Ariel Henry a choisi des gens pour faire partie du cabinet ministériel qu'il pourrait former. Bagay ça a créé une grosse tête chargée et bataille déjà pété dans la capitale là parce qu'il y a un pile de monde qui n'est pas content de formation de cabinet ça. Nous pourrons discuter. Joseph Lambert, bon côté parle, mettait en lot. Challenge devant Premier ministre Ariel Henry. Il fait comprendre que Ariel Henry n'a pas gagné droit pour le créer cabinet parce qu'il n'est pas Premier ministre. Mandat déjà fini. Depuis le 20 novembre, je te passe là. Gros bagay. En pile femme aussi révoltée parce que selon eux-mêmes, ils n'ont pas gagné assez de représentation dans le nouveau cabinet qui crée. Vous ne pouvez pas voir. Bagay la tête en bas. Et non seulement ça, moun ki même te signé accord 11 septembre nan, déclaré, gen moun ki wè que Premier ministre la mette nan cabinet, ya, yo pa remè yo. Si nta vini aux États-Unis, Daniel Foot, nou sonje Daniel ki te li même révoqué tête li, à cause de gens qui wè les États-Unis a traité les Haïtiens. Et bien, il fait une déclaration, et nous pouvons parler, dit que ça qu'il parle. Et nous avons Tad Robinson, qui est secrétaire d'État adjoint, qui en Haïti, pour capable aider à établir la sécurité dans le pays, fait une grosse déclaration, et nous pouvons discuter ça tout. Avec un pile de bagaille, nous va parler dans le moment ça. Mais avant que nous avancions, nous avons encouragé, s'il vous plaît, subscribe. Nous avons un bagaille comme le dit. Si pas à ou subscribe et pour te activer petit cloche là ou pour pas recevoir notification, cliquez subscribe pour que désubscribe et puis subscribe encore et choisis pour capable recevoir notification. C'est possible. YouTube nous a drop option. Make sure que vous retirez li pas off, li on et puis li sous tout ou bien all. Ça permet que chaque fois de monter ou pas jamais perdu rien. Nous t'avons aussi pour une vidéo ça. Ça, c'est un acte qui montre que le travail qui nous fait aujourd'hui en là, ou apprécier, pèse un petit bouton qui semble un pouce là. Après ça, fais commentaire si vous êtes capable, très important. Toujours lié, et nous sommes capables de vous écouter, vous avez un mot qui m'a l'amour, love it, nous toujours mettez ça à côté pour vous écouter lié. Parfois, tout me fait commentaire, répondre à une question que vous posez mieux. L'offre fini, partagez la chaîne avec des amis ou familles ou monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. On a commencé. Premier ministre Ariel Henry pensait qu'il avait victoire. Et il a déclaré qu'il joint consensus et liste moun qu'il besoin pour créer un cabinet ministériel. Premier bagay qui doit fait avant que tout l'autre bagay yo fait. C'était une bataille près de 3 mois qu'a fait. Côté que ministre n'a pas de joindre moun qui d'accord avec elle pour le former cabinet. Finalement, après en pile réunion, en pile signature, en pile accord, quand y a là, il y a une liste qui sorti, alors nous ne connaissons pas si c'est liste officielle là, mais il y a une liste qui dit là, je ne peux nommer les gens qui la donne, pas avant que le premier ministre lui-même ne pas dit, mais quand même, il y a une liste qui a circulé, qui fait comprendre qu'il y a une série de gens qui sont dans liste là, qui pourra faire partie du cabinet ministériel. Bagay ça a créé une grosse tête chargée pour le premier ministre là, parce qu'en pile dans un milieu, les gens qui étaient signés avec lui, senti que yon manque représenté, ou bien, gen moun ki premier ministre lan choisi nan kabinet la ki yon même yon pa remen. Par exemple, si nous kap parle de vedette, ki nou toujours ele M. André Michel, eh bien, M. li même, li complètement pas d'accord avec Jean que premier ministre lan formé kabinet ya, parce que selon li même, genyen les journalistes qui fait partie de kabinet ya, nous songe, pas gen trop longtemps de cela, il y a un groupe monsieur qui campait qui dit bon on pourrait créer un parti politique qui pourrait reler journaliste
après Jovenel Moïse. Eh bien, selon André Michel, moun sa yo, c'est moun PHTK yo, li même li passé et kajou avec yo. Si que Ariel Henry accepte pour le mettre ou fait partie de cabinet là, eh bien, li même li pas participé en un sens, la retire signature et li pas supporté premier ministre là. Alors, ça m'était capable de dire, semble que monsieur André Michel pour aussi retourner petit cob qu'il te recevoir parce que c'est pas comme ça bagaille au fait mais comme on a suivre c'est en Haïti nous croyons que bagaille capable avancer en façon malgré tête en bas mais c'est comme ça que pour avancer. De l'autre côté Joseph Lambert bon côté parle dit non ça pour quand même commencer pas rien là qui nous pour le faire. Il dit d'abord Ariel Henry pas un premier ministre selon loi pays. C'est 120 jours que Ariel Henry est expiré le 20 novembre qui était passé à là. Ça veut dire Ariel Henry, selon Joseph Lambert, doit lever, quitter pouvoir qu'on y a là parce qu'il n'a pas de pouvoir ni mandat pour ta former un cabinet. Donc, si que Ariel Henry pensait qu'il pourrait former un cabinet, ça n'a pas de sens parce qu'il nous prend la bataille, nous prend le bloquer, nous prend faire tout ça que nous sommes capables. Pour que nous capables toujours être dans le champ qui nous y a, sans que rien pas avancé, parce qu'il passe dans le pays. Mesdames et messieurs, écoutez. Moi, c'est une qui respecte le pays. Moi, c'est une qui t'a remis que toute autorité dans le pays respecte le pays. Mais il y a une chose qui nous connaît. Haïtien pas, j'aime respecter le pays. Il seulement utilisé pour le bon pour eux. Ça veut dire, si que gon bagay dans loi, qui pourrait le contraire à ça qu'il voulait faire, il a complètement ignoré ou bien il fait coquin puis il change ou bien réinterpréter la façon par yo afin que des yeux capable accompli. Ariel Henry, c'est pas fanatique parce que lui pas fanatique lui du tout. Joseph Lambert pas fanatique moi du tout. D'abord pas fanatique une politicien haïtien tout se volait toutes ces mesdames. Mais mes problèmes que me gagne qu'on y a là. C'est qu'on y a là que M. Saoué ou pas appliquer la loi. Come on. Vraiment? Alors, c'est qu'on y a là, nous ou pas appliquer une loi qui n'a crassé tout le temps. Qui loi? Ça qui vient arriver, c'est que Joseph Lambert nous connaît des idées depuis longtemps. Il voulait pour que le pays a formé une transition. Ariel Henry capabilité comme ministre, il voulait, mais lui-même, il est président. Ça, c'est le problème dans ça. Ce n'est pas vraiment une loi pays que M. Abdefond défendre, nous connaissons bagay là. Dans ce sens, M. Lambert, pas qu'on est, même pas senti vraiment qu'on sincère en ce qui a trait avec loi pays. Parce qu'il ne pas quoi qu'on jamais te défendre, loi pays dans le genre qu'on t'a défendu. Parce que si tu défends loi pays vraiment, bagay est différent. Parce qu'il n'y a pas besoin de pile monde qui est capable de faire une différence. Un seul monde avec influence suffit pour commencer à établir un bagage réel et bon. Un seul monde capable de changer l'humanité. Ça veut dire, si il y a un seul grand haïtien en Haïti, dans le gouvernement, qui t'a voulu camper contre le bagage qu'il a fait, il prend une position pour aider le bagage à changer, il va mourir, oui, nous connaissons ça. Mais ça, c'est un risque. Cause d'où il prend pour capable pousser cause de vérité et de justice pour un pays. Ça, c'est responsabilité de chaque citoyen qui dit qu'il est son citoyen Haïti. Même pas quoi que son sincérité qui fait que bagage ça fait. Comme on dit nous, malgré que Ariel Henry sentit peut-être qu'il gagne victoire qu'on y a là pour le former au gouvernement, mais nous pas qu'on est. Comment le pas le fait parce que bagage là lui-même, il pas qu'on en forme. Non seulement ça, nous gagnons aussi des groupes de femmes qui sentent qu'ils n'ont pas représenté assez. Parce que selon ça que nous connaissons dans la liste, c'est 4 femmes seulement qui font partie du cabinet. Et tout le reste, c'est garçons. Tandis que loi amendée, selon la Constitution 1987, demande à ce que 30% de femmes doivent représenter. Donc, Napton pour nous connaître qui ça quoi le fait lorsque liste officielle la sortie nous va connaître vraiment est-ce que
ça qui vous dit à ces vérités qui lient, ou bien ces rumeurs qui montent et descendent, mais pas un rien réel dans toute bagaille ça yo. Parce que nous connaissons le plus souvent, en plus de rumeurs faites pour capable craser les bagailles qui fait dans le pays, en réalité, ce n'est pas ça que vous livrez. Surtout en Haïti, il a toujours été en Haïti, côté que il y a un groupe qui est responsable de droits humains, qu'on a là qui a fait un pile bruit dans le pays. Depuis après que M. Dragon a été fin mouru dans la prison, qui a dit le coronavirus, nous tendait côté que un pile monde dans le pays a demandé autopsie pour prouver que c'est ça qui est arrivé. Mais un groupe avocat, ça y est, même, un groupe avocat qui est levé, qui dit bon, conditions de vie des prisonniers dans prison en Haïti, il est vraiment déplorable. Il n'est pas un bagage humain. Dans ce sens, ça, il a demandé pour que le pays soit capable de faire ça qui est possible pour être capable d'établir une façon d'échanger les conditions de vie des gens qui sont en prison. Il faut comprendre par un soin médical, par une ressource et par même un environnement sanitaire pour les gens qui sont en prison et qui vient augmenter le risque que moun sa yo capable malade et infection de Covid et même mourir. Donc c'est un bagage qui n'a suivre et nous va faire connait tout ça qui sorti de lui-même. Aux États-Unis, nous gagnons Daniel Foot qui nous connaît qui était lui-même révolté contre décision que les États-Unis te prend pour expulser un pile immigrant haïtien en Haïti. Il songeait côté qui en pile et police sous deux cheval tape vraiment maltraité haïtien yo et à cause de bagay ça et manque de communication qui était gagné entre les États-Unis et lui-même il était démissionné et lorsqu'il démissionné il continue à parler l'a dénoncé ça qu'il voit que c'est hypocrisie et mistraitement des haïtiens et il continue toujours à parler de bagay ça yo. Eh bien, semaine ça là, il a fait une interview et mais ça qu'il t'a dit dans l'interview ça. Il parlait en pile bagaille, mais une nan bagaille qu'il t'a focus sur lui ou bien l'autre monde spécifique qu'il t'a focus sur lui, c'était Barbecue qui c'est chef Genève en famille et allié. Monsieur Foot déclaré, "Tingan ta quitté que monsieur Cherizier, Jimmy Cherizier qui c'est chef Barbecue ou bien porte-parole Barbecue, amène porte-parole Genève." Pour nous parler, c'est monsieur convaincre nous qu'il est un révolutionnaire. Il fait comprendre pas rien révolutionnaire la caille monsieur Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier, c'est un gang dans toute l'autre gang. C'est un menteur qu'il y est. C'est un monde qui seulement a défendre intérêt. Puis nous nous prend dans piège pour nous ta penser que monsieur lui-même, il gagne un plan pour Haïti. Il déclarait d'abord Jimmy Cherizier pas même une idéologie, il pas même connait côté le campé. Et si pas ça nous t'a laissé nous tromper de Jimmy Cherizier, eh bien pays ça pas jamais capable marcher parce que si nous t'a prendre monsieur comme un leader dans pays là. C'est même ça que nous est là et même pis mal qui pourrait arriver. Maintenant, ça lui-même c'est un bagage qui ou même peut pas ici qu'en Haïti, moun qui ouè Jimmy Cherizier qui tendait le comprendre li, ou pas le décider peut-être pas. Est-ce que ça, monsieur Daniel Foot lui-même li dit, c'est en réalité ou bien pas en réalité? Ou même personnellement, il réserve pas. Beaucoup de gens Jimmy Cherizier comme un révolutionnaire. Malgré que, quelques bagages qu'il dit, bagages qu'il fait parfois, yo, yo semble un avantage peuple là. Mais, après que monsieur fin bloqué gaz là et l'agent qui vous dit qu'il recevoir pour le laisser gaz là passer bagaille ça yo fait au senti vraiment monsieur ça yo a travaillé pour tête pas yo c'est même bagaille là que lié et autre jour m'ta écouter monsieur qui a parlé il dit que zam qui n'amène yo koto pense que joigne yo ça veut dire c'est si n'ta capable lire entre les lignes de gens qu'il parlait. Il y a des gens qui derrière qui supporté cause liant et selon ça qui me comprend gens que Haïti marché si moun sa aussi des élite moun qui ont l'argent dans pays a moun sa pas jamais avantage peuple dans sens ça mesdames et messieurs peut-être m'a répété encore peut-être Daniel Foot il a gain raison peut-être mais comme nous connaît n'a suivre parce que en Haïti son pays
ou pas jamais capable comprendre vraiment vrai côté vérité a yé. Mais nous connaissons que tout le monde a travaillé peut-être pas yo. Maintenant, on nous focus sur un autre diplôme. C'est monsieur Todd Robinson. Ça lui-même est important, il ne t'a voulu parler de lui-même. Pour qui ça est important, c'est parce que bagay que monsieur Dio et une rencontre qu'il a fait avec une série de groupes dans la diaspora, question qui était posée à lui-même et bagay que moi-même moi toujours dit qui ça qui empêchait. Non, attendez bien. Décision que les États-Unis prend pour retirer col dans la politique haïtienne, nous croyons en tant que haïtien nous dit très bien. Pourquoi ça que nous dit très bien? On pas dit très bien parce que moi même. On dit très bien parce que si que les États-Unis pas capable changer gens qui fait politique haïtien, si yo pas capable honnête et vraiment yon bon ami pour aider sincèrement à changer situation pour bénéficier peuple haïtien. Dans sens ça, présence yon pas important. Mais ni même nous connaît que la difficile et presque impossible pour haïtien avec tête pas haute à changer situation. Parce que haïtien pas ka uni, gen trop moun, gen trop groupe, gen trop intérêt dans pays. Li poil difficile et même impossible. Ça veut dire si nous-mêmes nous le sincère, nous ouais que nous besoin yon l'autre force qui pour aider at least dans short term, dans titre très court pour stabiliser parole là, pour paraître pour jouer un rôle dictatorship. Mais ça que me veut dire pour t'apparaître et puis on dit tout le monde suspend. Mais ça que lié, mais ça le supposé yé. Et qu'on y a là, bay peuple haïtien yon chance pour choisir leader qui ouvre pour pays ya. C'est ça me pense capable faire. Ça veut dire malgré que nous dit nous pas besoin aide. Me pense que nous besoin parce que nous pas capable changer si nous pas gagner un monde qui peut aider nous. Mais mes problème là. C'est ça là qui me parle discuter que monsieur Todd Robinson lui-même l'y trouver lorsque il est en Haïti. Mais ça crivé. Je toujours dit les États-Unis ont toute force, toute puissance, toute possibilité, toute ressource et avantage pour changer et mettre fin à ça qu'on a passé en Haïti là. C'est vérité. Pas de monde là qui a dit que c'est menti. Les États-Unis ont force pour le faire. Un seul bagage que les États-Unis n'ont pas gagné. Volonté. Volonté qu'il va gagner, hein? C'est parce que Bagala est tellement bon pour commerce aux États-Unis et dans la République Dominicaine. Et qu'on y a là, il n'y a pas de Bagala changer. Parce que si il a changé dans le pays, hein, mesdames et messieurs, il n'est pas bon pour commerce. Moi, toujours fait nous comprendre Bagala ça. Il faut nous comprendre la dynamique là. Actuellement, nous voyons que les États-Unis et la République Dominicaine a parlé. Yon ti jan souci de situation. Nous connaissons bien pour qui ça, République Dominicaine souci de situation. Parce que, à cause de immigrants qui ont entré dans le pays, réputation du pays a commencé à descendre, et yon web a commencé à affecter la caillou, ça lui-même, il commence à toucher intérêt. Quand il a calculé, est-ce que yon kake mes amis, hein, compte intérêt touristique yon? Ça va me permettre yon, yon concerné. Les États-Unis, même bagay là. 14 000 haïtiens paraît là, en bas là, créons un gros chaos politique dans le pays. Quand il n'y a pas de choix, il faut faire des choses quand même. Mais au fond, il faut qu'on ait bien ces intérêts de tous les pays, eux-mêmes, ils défendent. Mais comme on dit nous déjà, les États-Unis ont une capacité et moyens pour mettre fin à la bagaille. 400 Marozo, G9, tout le monde sait que ça va disparaître. On nous dit comme ça que Haïti est un État des États-Unis. Vous pensez que la bagaille est faite là? Non, c'est impossible. Parce que, songez bien, aux États-Unis, tout le monde, ou bien en pile dans le monde qui a acheté des armes qui a voué en Haïti, les États-Unis ont arrêté tout. Ariel a arrêté, yon nan Hollande, dernier, yon a cherché. Dans un gros pays, dans les États-Unis. Right? Mais tandis que Haïti là, vous faites comprendre que vous n'êtes pas capable. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est sophistiqué en Haïti, comme ça, pour vous n'êtes pas capable. Vous connaissez quoi dire. Le problème, c'est parce que, c'est ça nous allons discuter là. Eh bien, M. Todd Robinson,
Ils font déclaration. Et déclaration qu'elle fait, s'il est sincère dans ça qu'elle dit, s'il est vraiment sincère, eh bien, semble c'est ça même que nous avons cherché. Et c'est la première fois qu'on entendait un diplomate citer non, citer bagay, dit parole ça. Bon, fait nous ouais, quote que monsieur Todd Robinson, qui est diplomate, qui est secrétaire adjoint qui est en Haïti, lui-même l'a dit. Mais ça que monsieur dit, il a parlé avec WLRN, qui est un gros journal télévision publique aux États-Unis. Et il fait partie de American Public Media. Et c'est eux-mêmes qui tapent. C'est là ça veut parler là tu dis ça mais ça que dit il dit que ça nous connaît. We know. Tenez bien oui, nous connaît. En parlant de nous c'est les États-Unis. Nous connaît que political, économique, social élite derrière scène cap supporter gang yo en Haïti. How? Tenez bien. Nous connaît. Ah, c'est les États-Unis qui ont parlé là. À travers le secrétaire d'État adjoint, M. Todd Robinson. Nous connaissons que politique, économique et sociale élite, c'est eux-mêmes qui derrière gang yo. Na songe le plus souvent, c'est nous-mêmes haïtiens qui avons répété bagay ça. Mais pourquoi j'en ai un officiel dans les États-Unis qui répète il? Mais finalement, Todd Robinson dit, nous connaissons yo, nous connaissons. Qui est-ce qui débarque ça? Nous connaissons qui est-ce qui débarque ça? Qui aime continuer? Il dit: yo doit faire attention. N'a pas mettre le possible pour haïtien, pour justice, système haïtien. Joigne yo. Joigne qui est-ce qui yoyé? Ben moi dis là encore. Yo doit connaître. Nous faisons qu'on est, nous faisons qu'on est que nous capables faire le possible pour que justice système haïtien joigne qui est-ce qui est. Nous connaissons qui est-ce qui est. Et si vous parité, c'est-à-dire que m'avait dit m'ba au pinga que nous avons une possibilité pour nous faire système justice haïtien, hein, qu'on est qui est-ce qui est. Je vais expliquer, nous, mesdames et messieurs, pour qui ça se concerne les États-Unis deal. Now, je voulais vous comprendre que je dis ou comme ça que les États-Unis gagnent toute force possibilité pour le marché pour mon saïo. Pour qui ça qu'il pas fait? Il pas fait parce que ça me toujours dit nous. Moun sa yo ti groupe sa, c'est ti groupe qui pi important et pi riche dans le pays d'Haïti. Yo gen lien avec tout pays dans le monde, surtout les États-Unis. Yo responsable pour une grande partie de l'économie et l'argent qui transporté de Haïti à ici. Ça veut dire, économiquement, lise yon bagay très important, genye intérêt la donne. Mais, actuellement, avec bruit qui a fait tout côté, avec moun kap pale kap expose tout bagay sa yo, li vin kreye yon liability, ça veut dire que li vin kreye un problème et un critique pour les États-Unis parce que le monde a regardé la situation, hein, yo wè que gon bagay ki de fait. Pour qui ça, monsieur Todd Robinson dit Jean qu'il dit là? C'est une menace qu'il voye ba yo, il a fini. C'est mandé, monsieur Sayo. Amicalement, monsieur suspend. Lis-le le temps pour nous laisser le peuple là en repos. Moi, c'est un ami nous que mieux. On connaît nous. On ne peut pas vouloir arrêter nous. Mais nous mettons nos positions côté que m'a fait quand même parce que nous n'avons pas choix. C'est ça l'a dit là. Oui, si nous appelons, ça que je voulais faire comprendre. Monsieur, on connaît qui est-ce que nous y est. Nous avons quitté nous fait tout le bagage pour des années. Mais quand y a là, le bagage est trop pour nous. En pile critique, ce n'est pas des gens qui ont parlé, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont décrivé, qui ont expliqué les choses qui ont fait. Et les choses ça, ils viennent commencer un problème pour nous,
parce que nous ouais vraiment vrai trop. Décider nous faire ça incapable de quitter le pays ou bien suspendre entraîner à faire mounio, laisser peuple là finalement créer un gouvernement parce que si nous pas faire nous pas un choix n'a exposé nous. Tenez bien, il n'y a pas de dire même non à gouvernement haïtien. Now, on nous parle. Premièrement, il dit à justice système haïtien. Est-ce que Haïti a un système de justice? Je ne sais pas. Je ne non. Si pas, Mounsa yo acheté toute poche, toute tête, monde qui fait partie de justice là. Même les qui les États-Unis ont livré au bail. On n'est pas privé. Les États-Unis ont une responsabilité pour les mettre moun sa yo à l'écart. N'a continuer. Eh bien, mais ça que vous dit, système nan li so corrompu, en pile business, en pile politicien, besoin gen yo pour protéger intérêt yo. C'est ça que yon nan moun ki te rencontré avec Todd Robinson qui fait déclaration ça. Et c'est ça qui fait que en pile nan yo en Haïti pas vle résoudre problème nan. Elle dit que pas gen désir ni volonté pour résoudre problème en Haïti parce que il y a trop gros monde qui besoin gang là. Parole ça c'est pas dans bouche nous qui est sorti, c'est dans bouche autorité, monde qui gagne contrôle, qui connaît bagaille qui parle, mesdames et messieurs. So pour pas ouais, lorsqu'ils ont deux bagaille, c'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est dans condition ça que pays a lui-même lié qu'on y a là. C'est dans condition ça que lié. Robinson t'a rencontré avec en pile monde en diaspora. Pendant la rencontre avec yo, c'est point ça qui t'a discuté. Et point ça yo, c'était question qui t'a posé à Robinson. Pour qui ça? Parce que les États-Unis, lorsque le besoin changer un pays, il y a toute façon pour lui priger autorité. Il fait dans Cuba, il fait dans Venezuela, il fait dans Nicaragua. Li fait dans tout le Moyen-Orient, par un côté que le passé va faire. Parce que les États-Unis ont contrôle tout le bagaille. Li ka freeze à 40 moun yo, li ka saisi kay yo, li ka arrêté yo, li ka freeze visa yo. Gen trois bagaille que les États-Unis capable faire pour ta empêcher moun sa yo continuer à faire ça qu'il a faire. Parce que les États-Unis connaissent yo. Et c'est ça qu'il dit là. Attendez. Yon nan bagay ki nou konnen. Les politiciens aux États-Unis, parole pas sorti dans bouche yo sans pas examiner avant. Déclaration ça que Todd Robinson fait. C'est une déclaration verbale que lié qui pas chita et discuter. C'est pas tant que Haïti moun parler sans raison. Lorsqu'elle vient, il dit comme ça que we know qui est-ce qu'on est. We know who you are. Ça c'est une directe implication que lié. Parce que d'abord, l'œil dit ça, il dit le monde que nous connaissons. Alors, si nous connaissons qu'on y a là, le monde peut demander bon, sous qu'on est, pour qui ça qu'on pas mettre fin à problème là. C'est un commitment que les États-Unis prennent là. Ils souhaitaient que des résultats positifs qui pourraient le voyer, qui pourraient paraître à bagaille ça. Comme on dit nous, selon moi-même, selon l'analyse que je fais. Mais ça que je dis. Selon sous le traduit ça que Robinson dit là. Monsieur me connaît nous, nous connaissons. Avant qu'il marche pour nous-mêmes commencer à aller con nous. Parce qu'actuellement, bagala trop pour moi. J'ai besoin la paix. Dans le pays. Mesdames et messieurs, comment dit nous, t'as souhaité qu'il vraiment envoyer ça que vous le fait. Nous grand pile l'autre bagage nous t'a parlé, mais l'heure est passée.
De toute façon, Pita nous va venir dans le segment international, non? Nous va ajouter quelques bagailles, bon, tandis que vous voyez Claude Joseph, nous ne connaît pas. Est-ce que c'est vrai, vous voyez Claude Joseph? C'est quoi, vous? Non, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.